parce que bon, vu les conditions, donc on a donc fait grand bond et donc les autorités là-bas ont été donc il y a une personne qui s'est occupée de contacter les autorités à grand bond, donc ça a été fait et on a été très bien accueillis, notamment par le maire de grand bond, monsieur Rex Matthews, je ne sais pas si vous connaissez, non, mais pas du tout. Le ministre de la péninsule de Burin, monsieur Darren King, un conseiller municipal, Bruce Warrens, un représentant des fêtes et loisirs, monsieur Darrel Lafosse, il y avait un contremaître général aussi dans le oui, parce que chez eux, c'était une cérémonie, je crois, un 50e anniversaire d'une église, donc ils ont retardé leur réception pour venir nous accueillir. Donc on a eu des petites remises, nous on avait porté des petits cadeaux de Saint-Pierre, enfin une bouteille de vin, machin, franchement, il y a eu remise de cadeaux, et puis donc voilà, on nous a offert ce tableau pour vous remettre. Donc de la part de la rue de Rambon, des autorités de Rambon. Voilà. Alors, merci beaucoup déjà. C'est vrai qu'on n'en a pas réellement parlé avant de départ de la course conclue, mais on pourrait, quand vous avez des destinations comme ça, aussi partir sur le principe d'un cadeau à offrir. Quand vous savez que vous allez être reçu par les officiels, on a quand même du matériel qui nous permet aussi, il y a des choses qu'on amène. Oui, les fagnons. Le fagnon et la médaille. La médaille aussi. Oh, ok, d'accord. C'est ça qu'on a offert. C'est vrai que la médaille, ça fait quand même des choses qui aussi concourent aux bonnes relations et qui offrent la reconnaissance de la ville de Saint-Pierre. Donc, il ne faut pas hésiter dans ce cas-là. Les échanges, c'est ce qui a été fait. D'accord. La médaille de la ville. La médaille de la ville, mais Fagnon, la ville de Saint-Pierre. Donc, c'est le seul qu'on a pour l'instant, donc il faudra qu'on en ait plus. Est-ce qu'à un moment donné, c'est envisagé que les Terneviens viennent ici? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'embarcation comme nous. D'accord. Eux, ils organisent chez eux des courses de l'Isère. D'accord. Ouais. Les grandes listes finalistes. Oui, on a participé il y a quelques années. Les femmes, on a fini troisième. Les femmes, on va y aller désormais, il y a deux années. Il y a un autre jour. Il y aura deux équipages. Parce que je pense que ça peut aussi être une coupe de la ville de Saint-Pierre, ça peut aussi être un trophée offert. Je veux dire, il y a plein de possibilités. Hein. Quand vous êtes tout seul, ben, vous gagnez tout seul. Et dans ce cas-là, on peut avoir des cadeaux à promettre. On peut aussi participer de manière un peu différente et le faire. C'est individuel. Nous, on a été assez par un doris pour la maison de Peut-être que si je n'ai pas le voir, nous l'offrirons aussi. D'accord. Je suis sûr. L'an prochain, d'essayer de lancer une compétition de la ville de Saint-Pierre et de Miquelon, essayer d'intégrer Miquelon à la compétition. Il faut qu'on en discute. J'ai proposé aux Zigotos, on va se réunir. On fait déjà qu'on se réunisse avec les membres de la commission et puis on va se réunir avec les deux, les Saint-Miquelon sur Miquelon. Pour pouvoir que les Nivonnais puissent participer aussi, parce que je sais que là-bas, il y a pas mal de personnes qui sont intéressées.